بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم آمين آمين. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et qu'Allah honore et élève davantage en degré le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On continue, inshallah ta'ala, dans le chapitre de la prière du Muhtasar de l'imam al-Quduri rahimahullah. Nous sommes arrivés au chapitre de la prière de l'éclipse, Salatul Kusuf. Alors le Cheikh rahimahullah, le Cheikh al-Quduri, a dit: lorsque le soleil s'éclipse, l'imam accomplira avec les gens une prière de deux unités, comme on effectue une prière surérogatoire. C'est-à-dire que, tout comme dans la prière, parmi les choses qui sont voulues ici, c'est-à-dire que parmi les aspects de la prière de l'éclipse, on les retrouve dans la prière surérogatoire, la prière nafila, comme le fait par exemple qu'il n'y a pas de khutbah, comme le fait par exemple qu'il n'y a pas un adhan pour la prière de l'Kusuf, comme il le fait également qu'il n'y a pas de iqama pour la prière de l'Kusuf, la prière de l'éclipse. Tout comme il n'y a pas de khutbah ou de adhan ou de iqama pour les prières nafila. Et il dit ensuite que dans chaque, avec une seule inclination par unité et en prolongeant la récitation lors de celle-ci. C'est-à-dire que dans chaque raka'at, selon l'école de l'imam Abu Hanifa, on effectue un seul ruku' dans la prière de l'éclipse, contrairement à ce qu'ont cité les Shafi'iyah par exemple. Donc chaque raka'at, on fait un seul ruku' et également on prolonge la récitation durant ces rakarat, durant ces deux rakarat. Ce qui est mieux, c'est justement ici du point de vue de la recommandation. Ce qui est mieux, c'est de prolonger donc la récitation en position debout, et également de prolonger la récitation, prolonger les invocations que l'on fait dans le sujoud, les invocations et le tasbih que l'on fait dans le rukur. Et il dit ensuite que selon l'école ou selon l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, il récite à voix basse. Et selon ses deux élèves, il récite donc à voix haute. Après, souvent, lorsque la prière elle est effectuée en groupe, justement, alors l'avis qui est plus souvent suivi, ou parfois suivi, c'est l'avis des deux compagnons. Pourquoi? Afin que les gens qui prient derrière l'imam, ils entendent la récitation et ils profitent et ils méditent sur la récitation de l'imam. Puis ensuite il dit, il fait après la prière donc, il invoquera Allah Ta'ala jusqu'à ce que le soleil réapparaisse. C'est-à-dire que il fait face aux gens, qu'ils soient assis ou qu'ils soient debout, et il fait des invocations jusqu'à ce que l'éclipse se termine, jusqu'à ce que le soleil réapparaisse. Ensuite, il dit que c'est l'imam qui préside d'habitude la prière du vendredi qui dirigera cette prière. Et si l'imam n'est pas présent, les gens effectueront cette prière individuellement. Donc, comme on a dit, l'imam effectue en groupe cette prière avec les gens. Et de quel imam il s'agit ici? On parle de l'imam qui effectue habituellement la khutbah et la prière du vendredi avec les gens. Et si, pour une raison ou pour une autre, il n'y a pas l'imam, alors les gens l'accomplissent seuls. Ils la font donc individuellement. Également, ce qui est voulu ici, c'est qu'ils la font tout seuls, mais chez eux, à leur domicile. Non pas chacun individuellement dans la mosquée. C'est ça qui est voulu. En précision dans ce passage-là. Et il n'y a pas de prière en groupe établie pour l'éclipse lunaire
mais chacun priera seul. Donc, al-khusuf, ce qui est appelé al-khusuf, l'éclipse lunaire. Alors, il n'y a pas d'une manière établie, selon l'imam, une recommandation pour l'effectuer en jama'a, en assemblée. Mais plutôt, comme on l'a dit, il l'effectue seul. Et là, indépendamment que l'imam y soit présent, que l'imam y ne soit pas présent, comme on l'a vu par conséquent pour la question précédente, ici ce qui est voulu, c'est qu'il l'effectue seul. Ce n'est pas quelque chose qui est demandé de l'effectuer en groupe, il l'effectue seul, même si l'imam il était présent. Et il dit ensuite qu'il n'y a pas de sermon, de khutbah établi suite à l'éclipse, comme on l'a mentionné donc au début de cette leçon. Lorsqu'on en a évoqué le fait que cette prière-là, la prière de l'Kusuf, alors elle a le même aspect que la prière nafila. Puis le cheikh rahimahullah dit, chapitre de la prière de demande de pluie, Salatul Istisqa. L'imam Abu Hanifa, rahimahullah, a dit, il n'y a pas de prière sunnah en groupe à effectuer lors de la demande de pluie. Mais si les gens prient individuellement, cela est valable. C'est-à-dire que si les gens ils ont délaissé, si les gens ils n'ont pas fait cette prière-là en groupe et qu'ils l'ont effectuée seul, selon l'imam, ils n'ont pas délaissé une sunnah. Ils n'ont pas délaissé, ce n'est pas quelque chose qui est confirmé de l'effectuer en groupe pour l'imam dans la prière de l'Istisqa. Donc dès lors, s'ils ont délaissé la jama'a pour ça, l'imam al-Quduri, il a dit jaz, c'est-à-dire c'est permis, c'est quelque chose qui est valable. Ce n'est pas quelque chose qui est contraire donc à la sunna, ici. Parce que l'istisqa, c'est le fait de faire la demande de pardon. Il n'est pas conditionné, il n'est pas recommandé que cela soit spécifiquement dans la prière. Mais selon les deux compagnons, alors comme ils le mentionnent, quant aux deux élèves, ils dirent que l'imam accomplira avec les gens une prière de deux unités en récitant à voix haute, puis il prononcera un sermon. C'est pour cela qu'on a dit, selon lui, c'est-à-dire selon l'imam Abu Hanifa, pour la question d'avant, la demande de pluie est plutôt une invocation et une demande de pardon. Comme on l'a dit, ce n'est pas donc une condition et ce n'est pas ici une recommandation selon l'imam de le faire dans la prière. De le faire donc dans la prière en groupe. Quant aux deux élèves, on a dit, ils dirent que l'imam accomplira cette prière-là avec les gens. Selon les deux élèves, ils font la prière, l'imam il va faire la prière pour les gens en deux rakaat, dans laquelle il récitera à voix haute, tout comme on récite également à voix haute dans la prière de l'Aïd. Puis il fera un sermon, il fera donc une khutbah. Et il se tourne vers les gens. Ensuite, suite à cela, il va se tourner, vers la Qibla, pas vers les gens ici. Il va se tourner vers la Qibla et il va invoquer Allah. Et l'imam, il retournera sa cape, mais les gens ne le font pas, c'est-à-dire l'habit qu'il met derrière lui, alors il le retourne. Il y a plusieurs, les savants, ils ont expliqué de plusieurs manières qui sont rapportées par rapport au fait de retourner sa cape. Qu'est-ce qui est voulu par cela? Il y a plusieurs images, plusieurs aspects de cela dont les savants ont détaillé. Mais les gens ne le font pas, c'est l'imam seulement, lui, qui le fait. Et les gens de la dhimma, c'est-à-dire les gens du livre qui sont sous l'autorité musulmane, eux ne participeront pas, ils ne vont pas assister à la demande de la pluie. Pour plusieurs raisons, parmi les raisons, le fait que ils ne sont pas ordonnés d'un devoir d'accomplissement d'effectuer la prière. C'est-à-dire, on ne va pas leur dire fais la prière tant que, ou fais une adoration tant que tu n'es pas musulman. D'abord, il entre dans l'islam et ensuite, il fait la prière et ainsi de suite.
Et également, s'il fait une image d'une quelconque adoration, elle ne sera pas acceptée d'eux. Ensuite, il y a plusieurs donc petits chapitres qui concernent ces différentes prières. Il aborde maintenant les prières du mois de Ramadan. Durant les prières du mois de Ramadan, tu n'es pas contente, tu vas dire clairement, je ne suis pas contente. Mais pas de cette manière. On dit les choses en franchise. Pourquoi? Je ne sais pas parce qu'il te cherchait des gens pour aider. Il y avait une casquette ici. Quand tu n'es pas contente, la personne va nous dire, je ne suis pas contente. Tout simplement. Si vous pouvez couper les micros. Voilà. Pour la concentration de tout un chacun, ce sera plus facile. Barakallah fikoum. Taïb. Chapitre des prières du mois de Ramadan. Il est donc recommandé que les gens se rassemblent pendant le mois de Ramadan après la prière du Isha pour que leur imam préside pour eux 5 tarwiha. La tarwiha, c'est traduction du repos, donc de la détente. Chaque tarwiha étant composé de taslim. Donc, le fait de faire Qiyam Ramadan, le fait de faire Salat al-Tarawih, c'est une sunnah muakkada. Mais ici, il dit yustahab, c'est-à-dire, c'est une recommandation de le faire en assemblée, que les gens se rassemblent et de l'effectuer, donc, pendant le Ramadan. Et cette prière-là, cette prière de Tarawih, de 20 rak'a, comme on va l'expliquer, comme on va le voir, elle est accomplie après la prière de l'Isha. Après la prière de l'Isha. Et donc, l'imam prie 5 tarwiha. Et chaque tarwiha, cette définition de tarawih, le pluriel le singulier de tarawih, est composé de 4 rakarat, donc en tout 20 rakarat. Et chaque tarwiha étant composé de 2 staslim, c'est-à-dire que chaque 4 rakarat sera effectué avec chaque fois le fait de passer le salam après les 2 rakarat. À chaque 2 rakarat, on passe le salam. Ce n'est pas comme la sunnah avant le dhuhr, qu'on effectue en 4 rakarat avec un seul salam à la fin, avec une seule fois où on passe le salam à la fin. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Quand on dit un salam, un taslim, bien sûr, ça veut dire 2 salams. Mais ici, on parle d'un seul taslim, ça veut dire ce salam-là, il est fait à la fin. Il est fait à la fin quand on parle de la prière de dhuhr, par exemple, quand on parle de la prière de sunnah avant dhuhr, par exemple. Les 4 rakarat avant Zohor. Alors, elles sont effectuées chez les Hanafites avec un seul taslim, un seul salam, c'est-à-dire le salam qui est fait en 2 fois à la fin uniquement. Mais là, dans ce contexte-là, alors, il est effectué chaque 2 rakarat avec le salam. C'est ça qui est donc voulu par ce propos. Et il dit ensuite, il s'assoit entre deux tarawih le temps d'une tarwiha. C'est-à-dire qu'il va faire entre deux tarwiha, composées de chacune 4 rakarat, qui sont priées en 2-2, d'accord? Entre deux, c'est-à-dire de caractère recommandé, d'une manière recommandée, il va faire une pause, il va faire un repos de l'équivalent d'une tarwiha. Mais c'est une recommandation. Si il a fait 4 rakarat en faisant 2 rakarat, 2 rakarat, et il n'a pas laissé un temps équivalent à 4 rakarat, et que directement il s'est relevé pour enchaîner et refaire une tarwiha suivante, il n'y a pas de problème en cela. Il n'y a bien sûr
Pas de problème en cela. Ça arrive même dans des pays hanafites qu'ils accomplissent 4 rak'at d'un coup seulement, ou des fois même 6 ou 8 d'un coup. Bien sûr, avec chaque fois un tashahhud après 2 rak'at. Ne soyez pas surpris si des fois c'est effectué dans certains pays, même si c'est des pays hanafis. Mais du point de vue de ce que le Cheikh Al-Qudouri a mentionné ici, c'est que, et également dans ce qui est connu dans le madhab, c'est que ces 4 rak'at qui sont effectués pour le tarawih, alors elles sont effectuées chaque fois 2, 2, 2, 2, 2, 2, etc. C'est-à-dire chaque fois avec un salam après 2 rak'at. Mais si on a fait 4 rak'at avec un seul salam, bien sûr, ça reste valable. Ensuite, il dit, l'imam présidera la prière du witr. Et le witr n'est pas accompli en groupe en dehors du mois de Ramadan. À la base, la prière de witr, ce que les savants hanafis ont mentionné, c'est que c'est recommandé de le retarder à la fin de la nuit, si la personne sait d'elle-même qu'elle va se réveiller, afin d'accomplir le witr. Parce que le witr, comme vous le savez, comme on l'a vu, c'est une prière wajib. C'est une prière qui est wajib, une prière qui est obligatoire. Donc si la personne la délaisse, délibérément, volontairement, sans excuse, elle aura commis un péché. Non. Mais dans la prière ou dans le mois de Ramadan, la prière du witr se fait après donc les tarawih, après les tarawih. Même si c'est rapporté que certains savants ils avaient l'habitude de prier régulièrement durant toute l'année, pas seulement pour le Ramadan, mais de prier la Isha, la sunna du Isha, et de faire le witr. Même si par la suite ils se lèvent la nuit et ils font des adorations encore, ils font des prières, il n'y a pas de problème pour ça. Ils ne feront pas, bien sûr, encore une autre fois le witr, parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit dans le sens qu'il n'y a qu'un witr qui est effectué par nuit. Mais il y a certains savants donc qui avaient l'habitude de faire quand même le witr juste après leur Isha et après la Sunna, après leur Isha. Pourquoi? Il disait, dans le cas où je meurs durant la nuit, il m'est inscrit la récompense de la prière de l'Witr que j'ai accomplie. C'est-à-dire dans le sens où il dit, si je meurs dans la nuit avant, si la personne avait prévu de se lever la nuit et en fin de nuit, avant le Fajr, de faire le Witr. Il faisait cela afin de comme s'assurer la récompense, que cette récompense de l'Witr soit inscrite dans le cas où il décéderait la nuit, rahimahumullah. Chapitre concernant la prière de la peur, Salatul Khawf. Lorsque la crainte s'intensifie, l'imam divisera le groupe en deux. Donc si l'imam se retrouve avec les gens, bien sûr, le plus simple, c'est de faire deux groupes qui prient séparément, chacun avec un imam qui dirige deux groupes différents, séparés. Mais dans le cas où ils veulent prier avec l'imam désigné, alors ils feront la prière de cette manière-là. Et lorsque la crainte s'intensifie, l'imam divisera le groupe en deux. Donc, le premier groupe tiendra la garde face à l'ennemi. Donc il y a un premier groupe qu'on a nommé ici le groupe B. Il va tenir la garde face à l'ennemi. Et un autre groupe, le groupe A, il va se mettre derrière l'imam, derrière lui, et il priera avec le groupe, avec ce groupe-là, c'est-à-dire avec le groupe A. On va aller gentiment pour bien décortiquer ce chapitre de la prière de la peur. Parce que comme on va le voir, la prière de la peur, elle peut être effectuée par une prière de 2 rak'at, comme la prière de l'Fajr par exemple, ou si c'était une prière qui était raccourcie lors du cas du voyageur.
Elle peut être aussi effectuée en 3 rakat, elle peut être aussi effectuée en 4 rakat, comme la prière de Zohor en 4 rakat, la prière de l'Isha ou la prière de Maghreb pour les 3 rakat. Donc là, il explique du point de vue de si la prière elle est composée de 2 rakat. L'imam al-Quduri, il se base sur la forme que la prière elle est effectuée en 2 rakat. Maintenant, si c'était une prière, comme on a dit, en 2 rakat, alors il y aura un groupe qui sera en direction de l'ennemi pour protéger, et l'autre groupe, il priera avec l'imam. Il priera donc avec l'imam. Et chacun des deux, ils vont prier ces rakarat avec l'imam, mais avec les détails que l'on va citer. Tandis que si c'était une prière de 3 rakarat ou de 4 rakarat, alors le premier groupe, il effectuera 2 rakarat de ces 3 rakarat. Et avec l'autre groupe, 1 rakarat. Et si c'était 4 rakarat, alors il effectue avec le premier groupe 2 rakarat et il effectue avec le deuxième groupe 2 rakarat, dans le cas où c'était donc une prière composée de 4 rakarat. Mais toujours, ça suit la forme en fait, ça suit simplement la forme de ce que l'on va détailler ici dans la parole de l'auteur. Donc il dit, il va prier l'imam avec ce premier groupe, il va faire 1 rakarat et 1 rakarat et 2 prosternations. Je vais reprendre la phrase. Lorsque la crainte s'intensifie, l'imam divisera le groupe en 2. Alors il y aura un groupe en face de l'ennemi, donc ils vont protéger, et un groupe qui va se mettre derrière lui. Un groupe qui va se mettre derrière lui et il priera donc l'imam avec ce groupe-là, c'est-à-dire celui qui est derrière lui. Et il fera avec lui, ou ils feront 2 prosternations, une unité et 2 prosternations. Ils vont faire cette première rakarat comme ça. Lorsqu'il se relèvera, ou lorsqu'il relèvera la tête de la seconde prosternation, ce groupe-là, le groupe A, donc qui a fait la rakarat avec l'imam et les 2 prosternations, il va se décaler et va se mettre face à l'ennemi. Sans bien sûr parler, sans faire des choses qui sont. Ils sont encore dans l'image, ils sont encore dans la prière, ils sont dans cet aspect-là. Donc, ils ne vont pas faire des choses qui vont annuler la prière, comme le fait de parler, par exemple. Donc, ce groupe-là, il ira faire face à l'ennemi. Et l'autre groupe, le groupe B, il viendra se placer derrière l'imam, qui effectuera une unité et 2 prosternations avec eux. Donc, l'imam, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va faire sa deuxième rakarat. Et il y a une autre qui va le suivre derrière, l'autre groupe, il va le suivre derrière. Puis, l'imam, qu'est-ce qu'il fait? L'imam, il fait cette deuxième rakarat et les 2 prosternations. Puis, le tashahhud, et l'imam fera le salam seul. L'imam fera le salam seul. Et ce groupe-là, ils sont en train de faire leur première rakarat avec la deuxième rakarat de l'imam, n'est-ce pas? Donc ce groupe-là, il n'effectuera pas le salam et il ira faire face à l'ennemi. Et le premier groupe, lui, il revient et il vient et ils effectueront individuellement une unité sans aucune lecture et avec 2 prosternations. Puis ils réciteront le tashahhud et feront le salam pour enfin aller faire face à l'ennemi. Puis, comme il le mentionne, viendra ensuite l'autre groupe, le groupe B, et effectueront une unité avec lecture et 2 prosternations. Puis ils réciteront le tashahhud et feront le salam. Maintenant, la question qui peut se poser, pourquoi il y a un groupe qui fait, lorsque le premier groupe ou lorsque le groupe fait sa deuxième rakarat, il ne récite rien, c'est-à-dire il ne récite pas le Coran alors qu'il est debout,
Et le deuxième groupe, lui, il récite. La différence entre les deux, c'est que ce premier groupe-là, le groupe A, qu'on a nommé le groupe A, il est considéré comme lahiq. Et l'autre groupe, le groupe B, il est considéré comme masbouq. Et on a vu dans un cours précédent la différence entre les deux. Brièvement, le lahiq, c'est celui qui a commencé la prière avec l'imam. Celui qui a commencé la prière avec l'imam, mais qui, pendant la prière, il s'est passé quelque chose, comme s'il avait annulé, il avait perdu son wudu, il a dû retourner faire le wudu, il est revenu, il a manqué une rakaat avec l'imam. Lorsque l'imam termine sa prière, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il se relève et il fait une rakaat. Mais comme il a commencé la prière avec l'imam, il est considéré comme lahiq. Donc lorsqu'il se relève, il ne va pas réciter. Il ne va pas réciter. Tandis que le masbouq, celui qui arrive en retard, c'est l'état de l'autre groupe qui est arrivé par après. C'est-à-dire qui est entré en prière lorsque l'imam, lui, il est venu, ou plutôt il s'est relevé de sa deuxième prosternation, de la première rakaat, et il a fait sa deuxième rakaat. Et on a vu également que celui qui est retardataire dans le fiqh hanafi, qu'est-ce qu'il fait après le salam de l'imam? Il se relève et il fait l'invocation d'ouverture, il fait le ta'awudh, il récite la fatiha à voix basse, et il récite ensuite la fatiha et la sourate. Voilà pourquoi la différence entre ces deux groupes, pourquoi un récite, pourquoi l'autre donc ne récite pas. Et il dit, si l'imam est résident, il priera deux unités avec le groupe, avec le premier groupe, et deux avec le second, comme on l'a vu donc dans le descriptif. Si l'imam il est résident, ça veut dire qu'ils vont faire quatre rakaat, il va faire deux unités avec le premier groupe, et deux donc avec l'autre, sous la même forme selon laquelle on a vu ici. Quant au maghrib, il priera deux unités avec le premier groupe, et une unité avec le second. Également, exactement sous la même forme qu'on a vu. C'est-à-dire, sous la forme qu'on en a vu, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il fait une rakaat avec un groupe, et après, il va faire une autre rakaat avec l'autre groupe. Là, c'est pareil, il va faire deux rakaat avec le premier groupe, et deux rakaat avec le second groupe. Et ils ne pourront pas combattre alors qu'ils sont en prière. S'ils font cela, leur prière sera annulée. Également, ou plutôt contrairement à d'autres écoles qui ont d'autres avis à ce sujet. Donc, le cas de la prière de la peur, c'est lorsqu'on est en face de l'ennemi, lorsqu'on est proche de l'ennemi, mais on n'est pas dans la situation donc du combat. Ensuite, il dit, si la crainte s'amplifie beaucoup, ils pourront prier sur leur monture, seuls en faisant les gestes de la tête pour l'inclination et la prosternation, et ce, vers n'importe quelle direction, s'ils n'arrivent pas à se tourner vers la qibla. C'est-à-dire que dans le cas où la crainte elle s'amplifie encore plus, alors ils ne vont pas faire tout ce qu'on a détaillé jusqu'à maintenant en faisant l'imam prier avec un groupe, puis après ce groupe se met de côté, vient l'autre groupe, il fait une deuxième rakaat avec ce groupe. Puis après, c'est ce groupe-là qui prend là, comme on peut dire, la relève. Le premier groupe revient et il fait sa deuxième rakaat sans réciter du fait qu'ils sont entrés en prière avec l'imam. Puis après, c'est le deuxième groupe qui, par contre, ou en revanche, lui récite du fait qu'eux sont considérés comme masbouq, comme retardataires. Mais si la crainte s'amplifie beaucoup, chacun seul prieront sur leur monture en faisant les gestes de la tête pour l'inclination et la prosternation, comme on l'a vu dans la prière de celui qui est malade. Si la personne n'arrive pas à se prosterner, n'arrive pas à faire le recours, par exemple, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il baisse un peu la tête pour le recours, il redresse la tête et il baisse plus la tête pour le sujoud. Ça, c'est ce qui est voulu par l'imam, faire la prière avec les gestes de la tête, sans avoir forcément besoin de baisser le buste en lui-même, juste par la tête, pour l'inclination, avec la condition que le sujoud soit plus bas. Le sujoud, c'est-à-dire la position dans laquelle on incline la tête, soit plus basse que le rukou.
Également, quand on parlait de cette chose-là, il y a un détail important à dire. Toujours quand on parle que le sujoud soit plus bas, selon l'école de l'imam Abu Hanifa, si la personne n'arrive pas à faire le sujoud, alors, comme on l'a vu, il n'arrive pas à se tenir debout, il n'arrive pas à faire le rukou, le sujoud. Il prie debout ce qu'il a la capacité. Après, il prie assis en faisant la prosternation au sol s'il arrive, ou sinon avec les gestes de la tête. Mais que la personne ne fasse pas la prière debout, puis s'incline en étant debout, puis après s'assoit et fait la prosternation avec la tête en étant assis. Ça, dans l'école de l'imam Abu Hanifa, cette prière n'est pas valable. Comme on l'avait vu, sauf erreur, dans ce cours-là, dans ce cas-là, le sujoud ne sera pas plus bas que le recours. Le recours en position debout, le recours en position debout, il est plus bas que l'inclination que la personne, ou le fait que la personne se penche ou baisse la tête quand il est assis pour le sujoud. Pour cela, une des conditions, c'est justement que lorsqu'on incline la tête pour le sujoud, ce soit plus bas que le recours. Et vers n'importe quelle direction. Donc, même s'il n'arrive pas à se tourner vers la Qibla, également dans les chapitres de la Qibla, quand on a parlé des conditions de la prière, se diriger vers la Qibla, celui qui est dans la crainte, sa direction, sa Qibla, c'est la direction dans laquelle il est dans la sécurité. Donc, si il est en train de combattre, et la sécurité, c'est dans laquelle c'est le fait de faire face à l'ennemi, c'est pas de lui tourner le dos. Mais si la Qibla était dos à nous, si la Qibla était dos à nous, mais que la direction de la sécurité est en face de lui, alors il prie dans la direction de la sécurité. La même chose si la personne il est dans l'incapacité, si la personne est dans l'incapacité, sa direction pour sa Qibla, ce sera la prière dans laquelle il est capable d'être, dans laquelle il est capable de se tourner. S'il est couché sur le côté et il ne fait pas face à la Qibla, mais il n'arrive pas à bouger, sa capacité à lui, c'est d'être dans cette direction et pas une autre. Alors c'est ça, sa Qibla pour lui. Walhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.